Eh bien salut à toutes et à tous, c'est Xa, j'espère que vous allez très très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle petite vidéo et aujourd'hui le match numéro 2 de contre MAD tout simplement. Donc 1-0 pour MAD bien évidemment, donc pour ce premier ce premier match bien évidemment, alors qu'il n'était pas du tout axé bien évidemment. Je pense que j'aurais fait un petit montage, un truc pas trop mal, un truc un petit peu drôle. Bref, donc aujourd'hui on se retrouve en PU monocolore, donc pour ma part une monocolore bleue et pour la sienne une monocolore blanche, même si bon voilà hein, voilà je sais pas pourquoi Mestracy, et vous me direz votre avis, Mestracy, Morpheo, même le Zeb là il n'est pas forcément blanc, mais bon écoutez ce n'est pas grave. On peut dire que Papillusion non plus il n'est pas blanc, on s'en fout. Bref, allez, donc c'est parti, nous commençons en espérant avoir plus de chance bien évidemment que la dernière fois hein. Ok, donc ça commence avec lui, Carbine, donc lui on va lui faire direct un Meteor Smash. Parce que Stracy, Rock Ferry, aucun respect pour Stracy. On a le boost d'attaque, donc c'est plutôt pas trop mal. Là, il place les rocks. Là, on va faire un petit bullet punch qui, normalement, devrait tranquillement venir le finir. De toute façon, même s'il envoie un autre Pokémon à la place, il meurt. Enfin, il meurt pas, mais il prend des dégâts, donc c'est tout de suite bien. Ok, donc on prend un avantage déjà sortant au début, donc c'est pas trop mal. Allez. Donc on va regarder, alors même sans le boost d'attaque, je pense qu'on tue Robin Williams. Non, en vrai, je sais pas trop là qu'est-ce qu'il pourrait me faire. On va faire Steel Rock, on va placer les rocks évidemment de son côté, ok. Ça sent un peu la merde si vous voyez ce que je veux dire. On va envoyer Draco. C'est un bon poké. Ok, le Fire Blast. Qui passe pas, du coup ce qu'on va faire Target Dance, parce que de toute façon le Fire Blast d'accord, double mise de Fire Blast hein, vraiment. Alors j'ai l'impression de faire le match inverse, tu vois ce que je veux dire. On va regarder. Ouais, les dégâts étaient plus que négatifs, donc bon, au final ouais, c'était pas très très grave. Et on va faire un outrage, donc Draco qui est vraiment très bien pour ça. Ouais, 20 PV, ouais, j'aurais été un peu moins. Ok, la glace qui va prendre. Du coup, tarot, voilà, hop. Donc il y a Pulsun, évidemment. On va faire encore un outrage, de toute façon, bloqué. Ça, outrage, alors Exalicorne, bien évidemment. Alors bon, bah, les pseudos, comme vous voyez, qui sont vraiment très bien. Hop, très bien. Donc bon, Draco qui est confus. C'est pas grave, il aura fait, entre guillemets, son taf. Il aura fait des dégâts, tout ce qu'on lui demande. Et derrière, il va pouvoir faire un Aqua Jet, qui est pas forcément mauvais dans ce genre de match. Où il faut absolument faire des dégâts simplement. Alors bon, contre lui c'est un petit peu nul de faire ça. Du coup on va continuer sur l'outrage. S'il se confus, écoutez, bah c'est pas grave, ça sera la fin du. Ah bah voilà, très bien, il se confus pas. Très bien. J'aime mieux hein, quand ça se passe comme ça le match. Tour 9. Ok, donc il reste plus que. Ok, alors derrière, bon, on est encore obligé de taper l'outrage, il est plus rapide. Je sais pas s'il me tue. Je pense pas quand même. Thunder, non, ça me fait absolument rien comme dégâts. Hop, l'outrage qui vient arrache complètement son lourd zèbre. Et puis derrière, là c'est la PS du maître. Kanichet, alors Kanichet, il aurait peut-être dû l'envoyer avant parce que c'était un Poké qui a une très très bonne défense. Hop, on attaque, voilà. Donc avec son talent bien évidemment mu, qui est pas mal. Je gagne un pack, bon, je gagne un pack qui m'arrache bien évidemment. Derrière on va envoyer Exabalen, voilà, magnifique pseudo. Du coup les PDR qui m'ont fait perdre un peu de vie, mais derrière, voilà, ça ne changera parce qu'il doit se recharger et tout ça. Donc du coup on fait des gros dégâts et il ne reste plus qu'un seul Poké. Il ne reste plus que Robin bien évidemment. Et on va faire un petit Water Spout pour finir. Ah, ça ne le tue pas. Ah, il place ça. Hop, on va du coup en profiter pour faire des dégâts totalement monstrueux. Donc du coup voilà, hop, on le tue bien évidemment même si c'est la résistance. Et puis et ben voilà, c'est la fin de ce match. Et bref, en tout cas merci à vous d'avoir regardé ce match. Bien évidemment je préfère quand ça se passe comme ça que dans l'ancien, donc ça fait 1-1, donc voilà. Bon, j'ai gagné un de mes deux match-up, qui choisira les deux autres, voilà. En tout cas merci à vous, n'hésitez pas comme d'habitude à laisser un petit pouce vert, à laisser un petit commentaire et on se retrouve très bientôt. Bye bye tout le monde.